Offside, just standing.
bon, merci. Les Ivoiriens, après une belle prestation, viennent d'être éliminés par une équipe anglaise. Ils sont reçus par les Ivoiriens de Yotéphone, qui sont très heureux de les voir. Nous allons recevoir ici le coach. Alors, bonsoir, coach. Bonsoir. Je suis coach Kwasim de Pascal, entraîneur à l'Académie de football à Abidjan. Alors, oui. Nous sommes ici le cadre de la Rodia Cup 2015. C'est votre premier tournoi international? Oui, c'est notre tout premier tournoi international. Ah, mais là, c'est magnifique. Et là, vous arrivez à Gothia Cup en Suède. Vous êtes sorti premier de votre poule face aux Suédois, aux Danois. La préparation, comment ça s'est passé? Il faut dire que depuis un an, nous avons appris qu'on allait participer à Gothia Cup. Depuis 3 mois déjà,
et on s'est préparé bien à Abidjan, très bien dans un cadre bien comme le camp militaire de Pelo. Pendant 3 mois, deux séances d'entraînement, matin et soir. Et puis après 1 mois, on a commencé à faire une séance par jour. Et on a fait des matchs amicaux aussi contre la SEC d'Abidjan et contre la SOA même. Et en tout cas, on a fait une bonne occasion pour se lever après le championnat de élite. Coach, pour un si petit club, participer à une si grande compétition en Suède, ça nécessite des moyens. Comment ça s'est passé, les préparatifs? Est-ce que vous avez eu les moyens financiers qu'il fallait? Comment ça s'est passé? Oui, il faut dire que les moyens financiers, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas de sponsor pour le moment. Et notre président, la personne de Jacques Anouma, avec ses amis du Nord, Sully Remont. Jacques Anouma, l'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Football. Yes. Et ce monsieur-là, c'est lui seul qui porte ce type-là. Et il a eu le concours de son ami Sully Remont, qui est ici avec vous en Suède. Et c'est lui qui a trouvé ce tournoi-là. Et il a bien voulu aider le président Kanoma pour nous arriver ici. Alors vous avez participé à ce tournoi, vous êtes sorti premier de votre poule, vous avez battu toutes les équipes, mais à la fin on a senti une fatigue au niveau des joueurs. Et tous les joueurs ne sont pas venus, il était difficile pour vous d'effectuer des remplacements et tout ça. Alors parlez-nous un peu de ce problème-là au niveau de l'effectif. Comme vous le savez, pour arriver juste en Suède, le Côte d'Ivoire en Suède, il est un peu difficile d'avoir le visa, mais passer par la Belgique pour arriver. Et la Belgique, là, le fait que nous avons autorisé que 12 personnes aient le visa. On a autorisé que 12 personnes aient le visa et les autres n'ont pas pu avoir le visa. Et ce qui a fait qu'on est arrivé avec 12 joueurs. Et pas 12 joueurs, on est arrivé avec 9 joueurs et 2 encadreurs. Alors 9 joueurs, 2 encadreurs, c'est quand même difficile. En tant que coach, vous avez senti cette fatigue-là à ce moment? Oui, cette fatigue-là joue. Vous avez vraiment, après 3 matchs, les joueurs se sentent fatigués. Bon, on n'a pas fait de remplacement, mais on a essayé de les remotiver pour qu'ils puissent donner le mieux d'eux-mêmes. C'est pourquoi vous avez vu, on a joué 3 matchs sans encaisser de but. Après le 4e match, on a gagné encore 1-0. Et au 5e match contre les Britanniques, les Anglais, ça ne pardonne pas. Et ils ont commencé à faire de longs ballons aussi qui sont plus grands, de taille. Et ça nous a pénalisé cette partie-là, vraiment. Je souhaiterais que à la prochaine, nos dirigeants prennent le trou par un compte, c'est-à-dire qu'ils fassent les visas bien avant que ce tournoi-là commence. Il faut dire qu'à Côte d'Ivoire, on ne connaît même pas Boutiakop. Pourtant, c'est sur le web. Tout le monde doit connaître ça. Mais malheureusement, Côte d'Ivoire ne connaît pas. C'est la première fois qu'on ne participe pas. Et je pense que à l'avenir, on va bien se préparer sur le plan technique comme sur le plan administratif pour qu'on soit bien représenté. Alors, Gauthier Coupe, il faut dire que c'est une compétition internationale des jeunes au niveau du football qui se déroule en Suède. Gauthier Coupe, c'est plus de 4600 matchs, plus de 1600 équipes. Gauthier Match, c'est plus de 4600 matchs. Gauthier Coupe, c'est plus de 80 nations qui participent. Alors, quand tu veux arriver ici, l'accueil, l'ambiance autour de l'équipe et tout ça, les Ivoiriens, vous avez senti l'ambiance? Parlez-nous un peu de cette ambiance-là. Oh, ok. Faut dire que les Suédois sont formidables. Ils sont accueillants. On a été très bien accueillis depuis l'aéroport jusqu'à à Göteborg ici. Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, ils ont reçu. Vous voyez dans ce cadre-là, c'est les Ivoiriens encore qui nous reçoivent après le match pour qu'on mange, on partage un petit repas ensemble.
Un cadeau de Hanson, il a offert ça aux jeunes. J'ai permis de conduire. Ils sont venus participer à Gotia Coupe au nom de leur club. Il est très heureux de leur avoir offert un présent. Il leur permet de s'épanouir et faire avec une belle prestation à Gotia Coupe 2015 en jouant à Yotobo ancienne. Voilà. Par M. Hanson, le coup de vote Alice Hanson, après la première prestation à Gotia Coupe 2015.